Salut, salut les disciples de la boxe. Bonsoir à ceux qui regarderont cette vidéo quand elle sortira dans la nuit de jeudi à vendredi. On est déjà, dans, on est déjà vendredi. Et bonjour à ceux qui regarderont sa vidéo le lendemain matin. Euh, à ceux qui ont regardé cette soirée boxe, euh, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Et ceux qui ont regardé ce combat-là, et ceux qui ne l'ont pas vu et qui vont découvrir la vidéo, ils vont peut-être rattraper le combat ou regarder seulement des, des résumés. Bah, allez voir le combat, ça vaut quand même le coup d'œil, c'est un combat intéressant et c'est un combat intéressant à débriefer. Alors, le résultat de ce combat-là est une victoire de Samake au point. Et c'est une victoire méritée. Voilà, moi, je ne, je ne dirais pas qu'il y a vol ce soir. Voilà, J'avais un petit peu taquiné avant ce combat-là en disant, euh, avec mes différents intervenants, euh, qui disaient que oui, victoire peut-être au point serré, controversé. Non, non, non. Non, pour moi, il n'y a pas de controverse ce soir. Samake mérite de remporter cette victoire. C'est un combat qui est intéressant dans le sens où on peut voir où en est Samake et ce qu'il peut encore développer et améliorer avec son style de boxe. Et clairement, ce soir, on l'a vu. Ce soir, ce qui s'opposait, au-delà des deux noms français, au-delà de l'expérience El Moussaoui, au-delà de, du jeune Samake qui, de qui on attend beaucoup. C'est Samake qui a fait que cette affiche a été euh, était bien vendue. Moi, j'ai été très surpris de voir l'engouement autour de cette affiche. C'est Samake qui fait que ce soir, il euh, y avait une telle soirée box, euh, qui est une chaîne de diffusion voilà, française, c'est de plus en plus rare. Des réunions euh, avec une tête d'affiche franco-française, c'est de plus en plus rare. Et il faut reconnaître que ce soir, c'est grâce à Samake qu'on a eu ça. Il, il faut le reconnaître. Maintenant, le combat, ce n'est pas grâce à Samake. C'est Samake contre Moussaoui combat qu'on a eu ce soir. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Pourquoi on a l'événement, pourquoi on a la soirée, pourquoi on a l'engouement, et pourquoi on a un combat de qualité. Le combat de qualité, c'est parce qu'il opposait, au-delà de ce que je vous ai dit au début, deux styles de boxe. Deux styles qui représentent deux géné générations. Samake, c'est la génération des combattants qui sont très inspirés de l'école américaine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, clairement, il y a deux écoles qui sont à la mode. L'école américaine, avec Samake. Profil Samaki très inspiré de Flood Meuser, euh, pour pour être actuel on va dire de Shakur Stevenson très inspiré de Shakur Stevenson et l'école soviétique l'école soviétique c'est tout ce qui est Dmitri Bivol, euh, Lomachenko voilà l'école soviétique c'est les deux écoles qui cartonnent aujourd'hui Samaki il est très inspiré de l'école américaine du côté d'El Moussaoui c'est cette école bien française un peu euh, voilà c'est les boxeurs de la génération précédente en fait donc tu vois c'est des boxeurs qui sont raides vraiment raide sur les jambes, qui vont te marcher dessus, euh, les mains bien hautes et qui vont donner du volume, les mains un peu ouvertes, mais qui vont envoyer, qui sont solides, qui sont courageux, qui sont bosonieux. Voilà, c'est pas la technique la plus chiadée dans le sens où ils sont techniques, tu vois, ils, ils, ils savent. J te dire, ils savent tout proposer, mais c'est surtout une boxe très brave, très dure au mal très engageante, voilà, et c'est vraiment cette opposition de style, alors que Samake c'est une boxe qui est beaucoup plus souple euh, bien ancrée sur les appuis euh, voilà, avec plus de moments de changement de rythme, en fait c'est un peu un faux rythme où euh, tu as l'impression qu'il se passe rien et puis des moments il y a des fulgurances euh, beaucoup au coup d'œil, euh, beaucoup défensive voilà, donc c'est vraiment une, deux écoles qui s'opposaient ce soir et moi je voulais savoir, qu'est-ce que Samake il donne face à ça, à quelqu'un qui va te rentrer dedans le premier combat qui a eu ce soir, c'était un combat de la gestion des émotions. Tous les deux voulaient en découdre. Tous les deux voulaient prendre l'ascendant sur l'autre. Tous les deux voulaient faire mal à l'autre. C'était équilibré pendant quelques rounds, et finalement, je trouve que au fil des rounds, c'est quand même Samake qui s'en est mieux sorti et qui a mieux géré la fin du combat. Face à ce trop plein d'émotions, au début, je me suis dit, c'est possible qu'il perde pied. Soit un peu euh, voilà qui finissent par voir rouge et qui s'emballe trop aujourd'hui. On peut dire que il semble plutôt bien entouré. Qu'il a on a su trouver les mots pour qu'il reste dans son combat. Je pense que surtout lui, il a l'air d'avoir quand même les épaules. Il a gardé son sang-froid, même si c'était dur. On sentait que il avait envie d'emballer de, de, le combat, mais il n'y arrivait pas vraiment. Il avait du mal à gérer un petit peu le, le profil qu'était el Moussaoui. Malgré ça, il a gardé son sang-froid et il a su gérer les rounds. Voilà, il a géré les rounds. Après, il y a le profil euh, de son style de boxe. Est-ce qu'aujourd'hui, il a été flamboyant Comme certains qui euh, avaient beaucoup, manquaient beaucoup de respect à El Moussaoui, qui disaient que Samake va faire une masterclass, vous allez voir, il va démolir El Moussaoui. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que ceux qui manquaient de respect à El Moussaoui, ils ne peuvent pas dire que c'est un bidon quand ils ont vu ce combat-là. Et ceux qui manquaient de respect à Samake, ils ne peuvent pas dire que c'est un bidon quand ils ont vu ce combat-là. Aujourd'hui, c'est un combat qui, qui permet d'avoir les deux qui sortent grandi, même si peut-être que parfois le combat était un peu sale un peu brouillon ça c'est un peu ce qu'on pourrait reprocher à ce combat là c'était pas toujours mais du coup c'était spectaculaire ça pour le coup c'était un combat spectaculaire quand tu le regardes en direct ben, tu as des émotions maintenant euh, au niveau de, de sa boxe à ça maqua ok défensivement il est bien ok moi ce que je trouve les points qu'on doit qui, qui doit encore progresser améliorer ça va être le jeu de jambe. Moi aujourd'hui je n'ai pas vu un grand jeu de jambes pour ce style, voilà, très en souplesse, qui travaille vraiment technique, toujours en mouvement très défensif. Il faut qu'il travaille plus euh, l'occupation de l'espace sur le ring. Et c'est pour ça que moi au début, pour, c'est pourquoi moi au début du combat, j'avais tendance à plutôt donner les rounds à El Mousawi parce que c'est lui qui engageait le combat, c'est lui qui donnait le combat, c'est lui qui avançait tout le temps, c'est lui qui allait, qui faisait le, ce jeu du combat. Alors que euh, Samaké subissait beaucoup. Il était plutôt dans, encore une fois, la gestion. Autant émotionnellement, je trouve qu'il a bien géré. En termes de boxe, je trouve qu'il peut encore améliorer un peu ce axe-là, notamment au niveau des déplacements. Comme je disais, c'est une boxe qui est très inspirée de Mayweather. Re-regarder les combats de Mayweather et une occupation de l'espace du ring qui est impressionnante. Défensivement, je répète, il n'a pas pris tant de coups que ça, donc ça veut dire quand même qu'il s'est bien débrouillé. Il a bien géré tout ce qui était le vice de El Moussaoui, je trouve. Il ne s'est jamais laissé trop emballer par ça. Ça, c'est fort. Ça c'est fort, c'était un, encore une des, une des interrogations que j'avais, comment il allait gérer ça. Tu vois, le fait qu'on t'accroche, qu'on mette la tête, qu'on qu veuille t'énerver, qu'on qu veuille te faire sortir du combat. Et je trouve qu'il a bien géré ça, vraiment. Euh, maintenant, sur sa phase offensive, je trouve qu'il n'a pas été tant que ça à l'initiative. Ok, il y a des phases où il envoyait des belles séries, mais que souvent, quand il envoyait ces séries, c'était des séries qui étaient. Euh, bon, ben on savait les temps où il allait envoyer. Et El Moussaoui était juste bah, en position défensive, avec les mains bien hautes. Alors oui, c'est impressionnant. Voilà, ça marque le public, tu te dis, waouh, ouais, il envoie une série. Mais ce n'est pas des, des séries qui sont si efficaces que ça, parce que tu ne crées pas des espaces. Tu, tu, tu ne trouves pas des ouvertures. Et il y a une boxe qui se veut quand même plus où tu vas travailler dans les espaces. Tu vas rentrer les attaques dans les espaces. Et ça, pour le coup, dans l'ensemble du combat, il n'y a pas tant de moments que ça où il a vraiment placé un coup bien net, qui est rentré. Dans, euh, dans la boxe de, de, de euh, El Moussaoui. Donc pour moi, ça c'est encore un axe d'amélioration qu'il doit avoir. C'est comment créer des ouvertures comme avec des préparations d'attaque, pourquoi pas des feintes. On a vu très peu de feintes du côté de, de Samake. Vous voyez, moi je, trouvais, je trouve que ce combat-là, il est bien parce que c'est là qu'on va pouvoir dire, ok, comment il faut qu'il progresse. Le travail du bras avant, il l'a bien utilisé au début, et après, il, il c'est un peu dommage, il l'a un peu oublié. Et je pense que son bras avant pourrait lui permettre de derrière travailler ses combinaisons. Et ça, ça a manqué un peu. Au début, c'était bien. Il avait un bra bravant qui partait bien d'en bas pour surprendre. Et puis après, il a vu que, bon, Je ne sais pas pourquoi, il a, il a, il a arrêté de l'utiliser. Bon, après, il y a aussi ben, les émotions. Comment tu es, es face à un boxeur qui avance tout le temps sur toi, donc il faut le gérer, ce n'est pas facile. Mais voilà, pour moi, ça, c'est encore des choses qui, qui peut encore améliorer. Tant mieux, je veux dire, à son âge, s'il a pas des axes d'amélioration, ça serait bizarre. Les gens qui attendaient que ce soir, il fasse une master class et qu'il montre qu'il est digne des champions du monde... Les gars, faut pas penser qu'on va passer juste d'un mec qui, qui a un, un palmarès de zéro défaite, qui prend son premier test et qui tout de suite va être le boxeur parfait. Moi, je voyais beaucoup ça dans les commentaires et je répondais même pas parce que pour moi, c'était bête de penser ça. Je me disais, je ne m'attendais pas à voir euh, le nouveau Mémoiseur ce soir. Tu vois, genre le, le boxeur complet. Non, c'était son premier test. Et c'est là qu'on va travailler, c'est là qu'on va avancer. Et pour moi, ce premier test, il l'a coché. Cette première match, il l'a coché. Pour moi, aujourd'hui, on peut le dire ça. Il a coché cette, cette, ce test. Et il l'a bien coché. Ce n'était pas extraordinaire, mais c'est normal, parce que c'était un une première étape. Et il y a encore des choses voilà, qui, peut, qui peut améliorer. Il a la boxe. Il a le physique. Il a l'entourage. Voilà. Aujourd'hui, quel boxeur peut, peut se vanter d'avoir euh, sa maquée promotion En France. Voilà. Ton blaze promotion. Ça, ça, tu as déjà vu ça, toi voilà. C'est très rare dans la boxe. Et ça, c'est important dans une construction de carrière. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs voies qui vont s'ouvrir à lui. Souffrir, souffrir à lui. Euh, moi, j'aimerais le voir continuer à faire encore un ou deux combats franco-français. Le champion de France des Super Walters, pourquoi pas. Euh, j'aimerais le voir voilà, rester dans cette dynamique-là, mais je pense qu'ils vont plutôt s'orienter vers euh, le marché anglais, américain, et ils ont bien raison de faire ça. En termes de business, c'est une suite logique. Voilà, c'est la suite logique des choses. C'est de faire ce que je t'ai dit, aller vers le marché américain, aller taper à la porte des matchrooms, aller à la, taper à la porte des PBC euh, voilà, aux États-Unis. Clairement, c'est ce qu'il faut faire. Euh, c'est dommage pour la France, parce que des soirées comme ça, c'est ce qu'il nous faut, c'est ce qui nous fait du bien, c'est ce qui va faire avancer la boxe en France. Mais aujourd'hui, Samaké, on ne va pas se mentir, s'il veut progresser, eh ben, il doit partir, euh, quitter le territoire français. C'est une réalité. Voilà. C'est une réalité, et que ce soit sur un point de vue économique, mais aussi pour, euh, pour avoir des affiches qui soient... Euh, en fait, qui, qui a un juste équilibre entre rentable et euh, qui te fait progresser, qui te fait avancer, qui te fait monter dans les classements, qui te fait améliorer. Et ben, c'est clairement vers... Il euh, ben, faut regarder ailleurs, quoi. Il faut regarder de l'autre côté de l'Atlantique, de l'autre côté de la Manche. Même pourquoi pas du côté euh, de l'Asie, il hein, y a des choses à faire là-bas, mais clairement, euh, on va pas se mentir, c'est de ce côté-là qu'il faut aller. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce combat-là, Samake qui a quand même été impressionnant, euh, qui mérite son, son statut de prospect français, clairement, 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 clairement. On se souviendra de lui quand on fera le bilan de l'année 2024, clairement. Et, euh, et puis voilà, voilà j'ai rien d'autre à dire euh, sur cette soirée. Petit mot sur euh, Milan Pratt. Vite fait, vite fait. Petit bonus, je voulais faire une vidéo courte, je fais une vidéo longue. Petit mot sur Milan Pratt. Euh, alors, en termes de boxe, de boxe, hein, technique et tout, c'était un, un meilleur niveau, j'ai trouvé, le combat de Milan Pratt. Maintenant, Milan Pratt, moi je le trouve excellent. Excellent. On sait qu'il veut euh, voilà, prendre sa revanche. Euh, il a connu une défaite l'année dernière, il veut prendre sa revanche. Attention au surmenage. Ça fait déjà deux fois que je le dis, il avait fait son combat de reprise, je trouvais qu'il était très rapide après, là il a combattu encore dans cette soirée. Alors voilà, il a remporté les deux combats, les deux fois. Attention, attention de, de ne de pas le cramer. Et ça c'est important. Je comprends qu'il avait envie de repartir tout de suite, de gagner des combats, de faire du ring, d'être présent dans des belles soirées, je peux le comprendre, mais moi ce que j'ai peur un peu c'est qu'on précipite les choses et là j'ai l'impression quand même que ça fait beaucoup, tu vois. Parce qu'entre sa défaite, le combat de retour, et celui-ci, il y a un court laps de temps, et il n'a pas eu de combat, euh, on ne lui a pas ramené des, jou des journées man. Clairement, les deux, les deux combats qu'il fait, pas, Enfin, quand je veux dire journées man, on n'est pas parti chercher des combats genre vraiment, vraiment faciles de ouf. Tu vois. Quand même. Donc euh, attention à, à ça. Euh, la gestion de la carrière, c'est important. Et, euh, et surtout quand on a un, un, un profil comme ça. Il y a des choses que parfois on, on se rend pas compte quand on a la tête dans le guidon. Bon voilà, c'est un, un petit ressenti. Encore une fois, c'est mon ressenti à chaud. Peut-être que certains ne vont pas être euh, d'accord avec ça, mais mon ressenti à chaud, c'est que il enchaîne quand même euh, trois combats en peu de temps. Hum, voilà, attention, attention garçon, la, la, la boxe, euh, la boxe est dangereuse. Hein. C'est pas, pas des matchs de foot. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu la petite crainte que j'ai. Mais après, peut-être que, peut que j'en fais trop. C'est possible que j'en fasse trop. Sur ce, je vais aller me coucher. Je vous dis à la prochaine. Fighting. Ciao tout le monde.